Nous sommes Hakim Mao et Isabelle Fauvel. Nous sommes associés dans la société de conseil en développement Initiative Film, qui est basée à Paris mais qui travaille à l'international et qui est partenaire du FIF depuis des années maintenant, à la fois dans le cadre du forum de coproduction, du forum de Namur et du coup de ce nouvel événement, l'atelier de la caravane. En fait, c'est la Manufacture qui était un atelier qui existait déjà au sein du FIF pendant le festival, qui se délocalise et qui vient se raccrocher à la Caravane du Cours, qui est un événement en fait où chaque année des jeunes réalisateurs qui sont passés par le FIF font une tournée dans la province de Namur pour présenter leurs films dans des écoles et dans des salles de projection. Et du coup, cette année, pendant la semaine où ils vont faire justement cette tournée de projection, ils vont bénéficier d'un atelier pratique et de rencontres avec des professionnels pour favoriser en fait leur passage du cours au long métrage. Dans un festival, parfois, on est un petit peu noyé, même si Namur essaye toujours de créer des qui permettent à des rencontres professionnelles d'exister, alors que dans la caravane, il y avait une cohérence à raccrocher cette partie des ateliers pro et de donner finalement plus de chances aux jeunes qui vont en bénéficier de travailler, de réfléchir. Et l'année dernière, on avait fait pour les 30 ans du FIF une manufacture XXL avec plein de jeunes réalisateurs, dont le court-métrage s'est retrouvé en fait à la Cinéfondation à Cannes et qui a remporté le prix de la Cinéfondation. Donc du coup, c'est pas directement lié, mais on voit en fait comment les choses peuvent après aller assez vite. D'une part, comme du coup il y a cette caravane du court-métrage, montrer son film, c'est quand même toujours agréable et enrichissant de voir les retours comme ça sur une semaine de public très différent, et en plus de bénéficier à la fois de discussions et de partage d'expériences avec des professionnels, et aussi d'une émulation de réalisateurs de sa génération, et de commencer à se constituer un réseau, c'est autant d'accélérateurs possibles en fait pour mener à bien son projet de long métrage. En fait, on ne voit pas ce qui pourrait les retenir. En fait, en l'occurrence, on leur offre plus dans le même cadre, et je pense que ça ne peut être que motivant, et on espère que ça convaincra le plus grand nombre possible de candidats.